Kate Middleton et Meghan Markle sont apparues resplendissantes à leur arrivée à la fête du 70e anniversaire du prince Charles à Buckingham Palace le mercredi 14 novembre. C'est un jour de fête pour la famille royale britannique le mercredi 14 novembre. Le prince Charles a fêté ses 70 ans et sa mère, la reine Elisabeth II, lui a organisé une fête très chic au sein de Buckingham Palace à l'occasion de cet anniversaire très symbolique. Les invités sont arrivés en voiture devant les grilles du palais royal et Kate Middleton et Meghan Markle ont fait sensation. La femme du prince William est apparue radieuse dans une robe rose et un style capillaire impeccable même si son look intégral pour cette fête d'anniversaire n'a pas encore été dévoilé pour le moment. La mère du prince George et de la princesse Charlotte a choisi la paire de boucles d'oreilles scintillantes et roses qu'elle portait lors de la cérémonie des BAFTA, l'équivalent des Césars en Grande-Bretagne, en 2017. De son côté, Meghan Markle est arrivée aux côtés de son mari, le prince Harry, et l'ancienne actrice n'a rien dévoilé de sa tenue du soir, bien cachée par la portière de son véhicule. Tout sourire, la jolie brune a opté pour une paire de boucles d'oreilles en diamant en forme de chandelier. Elle avait porté cette paire lors de son récent Royal Tour en Océanie lors de son passage aux îles Fidji. Les deux belles-filles du prince Charles ont participé à la séance photo très familiale organisée pour les 70 ans du fils de la reine Elisabeth II. Kate Middleton était très attentive avec son fils, le prince Louis, dans les bras. À l'instar du prince George, Meghan Markle a ri de bon cœur en prenant la pose et a eu le droit à un geste très tendre de la part de son mari. Le prince Harry la tenait par la hanche pour cette photo de famille.